Salut, allez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Automobilista 2 pour un nouveau tracé qui vient d'être mis à disposition, toujours pareil, gratuitement. Alors je vais... Voilà, on va faire ça en mode chill, c'est-à-dire que je vais parler un petit peu pendant la vidéo, pendant le roulage. On va parler de choses et d'autres, pas forcément que de MS2, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et en fin de vidéo, je vous montre comment installer les modes voiture plus facilement. Donc on va tout de suite aller voir sur le site de modding d'MS2. Voilà, on se retrouve sur la page comme d'habitude. Vous allez ici, j'espère que vous voyez mon curseur. Oui, vous allez sur AMS2 Track. Et nous sommes ici, Azure Coast, donc le troisième. Il y avait précédemment California Highway, Mojave. Et là, on se retrouve sur Azure Coast. Voilà, donc je ne vais pas vous refaire l'explication de l'installation. C'est comme pour le véhicule que je vous avais expliqué dernièrement. On va aller voir maintenant directement dans le jeu. Alors dans le jeu, donc forcément Azure Coast, c'est en France. Voilà les 5 layouts, donc le complet ici de plus de 19 km. Ensuite nous avons ici 7 km, 6,88, 4,96 et 19 km. Ça doit être le même que le premier, je sais plus, en reverse peut-être. Oui, ça doit être ça. Donc c'est issu de Pécars 2. Et donc c'est une conversion et vous allez voir, c'est quand même très très propre. On se retrouve tout de suite dans la voiture. Allez, on est donc parti pour une découverte de ce Azure Coast, cette variante la plus longue de ce tracé. Alors j'ai pris la petite Corvette, tranquillement. Alors c'est le troisième circuit, enfin le troisième track, troisième piste, parce que les autres c'est plutôt des boucles. C'est clairement pas, enfin, pas pour faire la course, c'est pas dédié à ça en fait, en tout cas. Après, je comprends votre réticence à les installer. C'est normal. Parce qu'à chaque mise à jour, il faut refaire les choses. Par contre, bon, pour les circuits, pas pour les véhicules, il y a une petite astuce que je vous montre en fin de vidéo. Pour les installer plus facilement. Et de toute façon, ça, le circuit, le studio en a parlé, hein, ils veulent essayer de partir là-dessus, de trouver une astuce pour que ce soit moins compliqué, surtout notamment à chaque mise à jour du jeu, qu'il faut à chaque fois réinstaller pas mal de choses. Et là, avec un nouveau fichier bootfile, vous n'avez plus des lignes de texte à rajouter. C'est les gens qui font les mods, notamment. Qui ont rajouté tout ça à votre place. Donc merci à lui. Merci à eux. Je ne vais pas pouvoir pousser la Corvette dans ses retranchements. Ah, c'est pas une course, hein, c'est du chill, juste pour vous le faire découvrir. Panneau radar, il faut que je me méfie. Alors par contre, j'aimerais bien votre ressenti. Je trouve que pour ceux qui roulent sur AMS, il y a encore une petite baisse de fréquentation. Je trouve qu'il y a encore de moins en moins de monde. Il y a toujours du monde après une mise à jour, une update ou des choses comme ça, mais il y a de moins en moins de monde. Attends, envie de mettre la main pour couvrir le soleil. Il y a de moins en moins de monde sur les lobbies, moins en moins de monde sur les Discord. Et c'est la même chose pour, je trouve, sur. Air Factor 2 et LFM, tout le monde s'était emballé. Alors moi j'avais fait une vidéo, hein, si j'y pense au montage, je vous mettrai la vignette, mais j'ai fait une vidéo pour expliquer un peu mes craintes vis-à-vis d'LFM, notamment sur le fait qu'il fallait acheter beaucoup beaucoup de contenu pour participer à des courses, notamment celle de BTCC, c'est juste hallucinant. Et bien rendez-vous compte que je fais la 9e saison avec la Porsche Cup, et avant-hier j'ai voulu rouler. Là, on a vu sur l'océan. J'ai voulu rouler au soir parce que c'est là qu'il y a de plus en plus de monde. Et il y avait 5 mecs. Autant vous dire, j'ai pas fait la course. Hein. Je vais pas sur LFM pour rouler à 5. Et hier, j'ai retenté l'expérience. Donc la première avant-hier, c'était à 22h et hier, c'était à 21h. Il y avait un mec. Voilà. Alors on sait, la Porsche Cup, faut l'acheter, il y a le circuit qui était gratos, mais
Dites-moi si vous avez le même ressenti. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de simus en ce moment. Alors, je sais pas qui ça profite. Je sais pas où sont partis les gens. Alors, je vais pas faire forcément de la pub, mais juste vous dire moi ce que je vous conseille. Si vous roulez sur RF2 et que vous êtes aussi déçu de l'FM, partez chez AGP. Hein, j'avais notamment à l'époque fait une vidéo dessus. Il y a des serveurs ouverts tout le temps, des open tous les jeudis. Ils sont quasiment toujours une vingtaine à chaque fois. Et bientôt un nouveau championnat qui va commencer. Donc si vous voulez rouler avec du monde sur RF2, par contre pour AMS2, je n'en ai aucune idée, c'est devenu compliqué. Je crois qu'il y a un championnat bientôt qui va s'ouvrir. Mais bon, toujours pareil, encore une fois, il faut de nouveau aller sur un Discord. Enfin, ça, c'est toujours un peu la tannée. Je vais pas m'inscrire sur un Discord pour faire un open, quoi. C'est toujours pareil. On se retrouve avec 60 Discord ouverts. Bon, je reviens sur MS2, sur ce tracé, c'est vrai qu'il est magnifique, là. Franchement. Ah, encore un radar, faut que je me méfie. Ah, voilà, là c'est. Voilà. Bon, là j'ai les dégâts visuels. On va terminer comme ça, les gars, je suis désolé. J'ai pris confiance. J'ai pris la confiance et voilà où ça m'a amené. On en est à combien au niveau. On a passé à la moitié, ça va le faire. Courage. Vous allez entendre le bruit de la carrosserie, c'est pas grave. Alors j'ai pas envie de me retrouver rouler en solo. C'est clairement pas ma façon de faire, je suis pas fan. Moi, je comprends que certains aiment bien, hein, petite dédicace à Philippe si tu passes par là. Mais ouais, non, moi c'est pas mon kiff le solo. Voilà, on est clairement rentré dans les terres. Du coup, je me méfie maintenant. Ces radars en France là. Là, tout est vraiment bien modélisé. Hein. Les falaises sont super bien rendues. Il y a d'autres contenus hein, qui contenu un peu original qui va arriver sur MS2. Je sais pas si j'ai pas entendu parler de rallye. Pas de rallye ou du cross ou des choses comme ça. Donc ça va potentiellement encore une fois ramener un peu plus de monde, mais là ils ont pas dévoilé hein, la roadmap pour les mois à venir. Ils nous devaient normalement encore un circuit historique si je me rappelle bien. On n'a toujours pas vu arriver. Ça c'est un petit peu dommage. Après, je suis toujours là en train de dire c'est une petite équipe. Ouais, mais bon, les gars sont de plus en plus impatients.
toujours de quoi faire, hein, c'est pas le souci. J'aurais tellement de sujets à aborder sur, je sais pas... On pensait, et comme pour AMS1, on pensait que la force de AMS2, c'était le côté exotique et le contenu qu'on ne trouvait pas ailleurs. Ouais, mais ça peut aussi être sa faiblesse, hein, ça j'avais déjà dit. De toute façon, ça a toujours été vrai, et notamment depuis un petit moment, où les gars, c'est... Ah, c'est... Vous êtes mal garé, monsieur. Les gars, c'est GT3. Voilà. GT3. Si t'as pas GT3, les mecs roulent pas. C'est un peu bizarre, cette tendance à ne rouler que sur... Alors, j'ai rien contre les GT3, hein, même si le grand côté est assez aseptisé. Mais à un moment, on voit que ça, quoi. Comme sur Assetto Corsa premier du nom, tu vois, sur les lobbies officiels, hein, tous ceux qui sont créés par le jeu, c'est que du GT3. Bref, voilà, on en termine. Ah, la fin était un peu brutale. On termine avec ce circuit. On se retrouve tout de suite après pour vous montrer un petit peu comment installer vite fait les modes voiture plus facilement. Bon, alors je vous reprends ici, comme je vous expliquais, pour vous montrer comment installer plus facilement les modes véhicules, donc qui sont disponibles toujours pareil ici sur la page du jeu. Hop, je vais augmenter. Donc sur la page du site Project Card Modding. Donc vous téléchargez comme d'habitude les fichiers, ça il n'y a pas de souci, vous savez comment faire, c'est pas un problème. Il faut aller dans votre dossier. Donc dans votre dossier mode, là où il y a tous les véhicules, tous les circuits, ça n'a pas changé. En fait, tout ce qui a changé maintenant, c'est le fichier bootfile que le créateur, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça le créateur, celui en fait qui nous fait, Charles qui nous fait à chaque fois les dossiers, c'est lui qui maintenant prend entre guillemets en charge le bootfile avec tous les fichiers, les lignes de code à rentrer à chaque fois qu'on rentre un véhicule. C'est-à-dire que maintenant vous n'avez plus à taper les lignes, à copier-coller les lignes de chaque véhicule sur les deux dossiers différents. C'est lui qui le fait à chaque fois qu'ils vont mettre à jour un nouveau véhicule, ça va être intégré. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger les mods, les dossiers, les mettre dans ce dossier mode et les activer par logiciel JSGME, chaque fois je me trompe, donc c'est simple, je vais vous le mettre ici directement. Voilà, donc vous voyez, donc sur bootfile il est ici, bootfile A452 simple, donc ça, c'est vraiment avec ça que vous allez pouvoir le mettre. Donc de toute façon maintenant, dès que vous avez, par exemple aujourd'hui vous avez un fichier, une véhicule à télécharger, vous retirez, hop, le bootfile. Le retirer tout simplement ici, disable, vous rajoutez dans le dossier mode votre véhicule et vous remettez le boot file que lui aura mis à jour. Hop, il apparaîtra ici, vous faites ici, clic, et c'est lui qui va faire la modification. Vous n'avez plus à vous embêter avec les lignes de texte, donc moi à mon sens c'est une amélioration du process, c'est une simplification déjà d'une process, c'est un premier pas vers l'automatisation d'activation des modes. C'est toujours pas forcément easy, c'est pas le plus simple possible, c'est pas du comme les autres, mais c'est déjà bien plus simple. Donc n'hésitez pas à essayer de nouveau. Franchement, vous faites sur un véhicule, si ça marche, vous rajoutez les autres. Mais franchement, c'est très simple. N'hésitez pas à me poser dans les commentaires la question qui peut être problématique, mais franchement, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, j'en termine avec cette vidéo. Il y aura certainement d'autres véhicules, d'autres circuits que je vous présenterai encore. Alors si vous ne voulez pas les installer, au moins vous passerez par la vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Et moi je vous dis bonne journée, à une prochaine, tchuss.